poissons, parce que ce sont des laguinaires. Pendant ce temps, la délégation d'Avogo se prépare. Il faut aussi souligner ici la présence de la fédération d'un pays de Banda Sali Apolina, avec le président Sakwe. Il y a du piment, du poisson, des aubergines et des sangouins portraits. Alors on remet symboliquement le portrait. On va annoncer en même temps la délégation d'Avogo. La délégation d'Avogo. Je voudrais annoncer la fédération d'Alepé pour le don. La fédération d'Alepé pour le don. Merci au groupe de Dabou. Le don de Dabou consistait de 3 sacs d'ATP, mais plus. Herman Aboua, oui, je te demande de bien pouvoir insister sur la nature des dons qui nous parviennent. Un sac d'attiqué donc de 5 kg, un sac pour le groupe d'organisation, du poisson et un portrait de maman Simon Léger Babo, on les applaudit très très fort. Merci. Pendant ce temps, je voudrais annoncer également la délégation venue de Olivier Boumé et qui a été conduit par Ibo Oboa. Merci maman, merci. Merci. Laissez la scène, nous allons le véhicule de notre matriculation 56 26 HR01 Ukia Sorrento. Le chauffeur de ce véhicule est prié de partir déplacer son véhicule qui bloque l'accès.
s'il vous plaît, le véhicule de plaque de 56-26-HR01. Merci. Le Mathia Sorrento. Merci. Avec l'accord du protocole, nous allons demander à un moment de venir déballer ce tableau, le tableau qui a été le présent. Un présent venu de. Et qui sera déballé tout à l'heure par la. Maman Simone et Yves Papa. Nous allons découvrir ensemble ce qui se cache derrière les papiers cadeaux. C'est tout à l'heure. Comme vous le voyez, nous allons procéder au déballage de ce tableau. Je voudrais signaler la présence de Madame Daphné Simon, qui est présidente de COFET. Je voudrais annoncer la fédération d'ADP pour son don. Merci pour cette prise d'image. Ouh là là, quel artiste. Un tableau qui montre. Il y a de la banane. Oui, bien évidemment. De la banane douce. De la banane de terre. Avec la papa qui accompagne du manioc. La fédération d'ADP. Vous suivez en direct l'anniversaire de Maman Aimée Simone Bago Kapab. Ça se passe à Yopougon, à Zito, au foyer d'Azito. Un anniversaire des femmes capables, un anniversaire des hommes capables. L'anniversaire plein à craquer, malgré le sale temps. Les Ivoiriens sont sortis pour manifester leur amour pour Madame Aimée Simone Bago Kapab. Thank you.
le tournant pour le temps en faisant. Oui. La présentation de Benoît pour le temps à l'instar, la maman, Simone et les Babos. À présent, l'association Simone et Yves Tafar de la section Benoît, qui arrive au bout de son bord, aussi Benoît qui soutient fermement qui l'adore, madame. On constate une forte délégation de Benoît. Oui, et c'est là ce qu'on prend demain, c'est à la fois. La forte délégation, pratiquement en uniforme, et il est capable, vous demanderez aussi leur capacité à travers les mobilisations, soyez salués comme venus de Benoît. Le bonheur est dirigé par Thérèse. Merci bien. Merci. Alors, merci au peuple de bonheur. Merci, 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 merci. Merci à la fédération de bonheur. Merci à vous. La délégation de Benoît. Pour cette mobilisation exceptionnelle. Merci à la fédération de Benoît. Oui. Daniel Sarah, effectivement. La fédération. Tu as raison de dire Benoît est prêt pour maman Yves Simone. Une petite bassine de paille. De paille de qualité, bien sûr. La fédération d'Ayébi Tiassa, à présent. Merci. La fédération d'Ayébi Tiassa, s'il vous plaît, je voudrais à qui nous adressons un grand message de félicitations pour cette mobilisation exceptionnelle à l'occasion du 70e anniversaire de Madame Simone Eyde Pago. La Simone Eyde Pago, merci, merci de Mandeo. Merci, merci à Benoît. Merci. Merci à Benoît. Je vous dis. La suite, c'est les fédérations, ce sont les fédérations de Ayébi Tiassa. Je voudrais profiter de l'occasion de l'annonce de
d'un ton de Vladimir Tsassa pour saluer la présence de la fleur d'Agobile. Mademoiselle Fleur Enko qui est là, vous saluez Maman Simone, merci. La fleur d'Agobile qui a fait trembler, on le sait. Merci. La fédération d'Agobile Tsassa et la fédération de Papobile se prépare. Alors, elle va la voir. Oui, la fédération d'Agobile Tsassa à présent. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, il y a Passapo, la cadavante de Passapo qui est là. On continue ou bien on marque une pause pour la prestation de Sapo? À voir. On continue. Je rappelle qu'il y aura encore aujourd'hui
la dédicace du livre « Ma sortie de prison, prémisse d'une Côte d'Ivoire réconciliée » de Mme Simone Yves Bako. Donc prenez vos livres à 5000 francs CFA. Vous aurez l'honneur, le privilège d'avoir un petit mot dans ce livre des mains de l'auteur. Oui, précisément, elle va avoir relativement à cette séquence de dédicace. Oui. Il y aura une déclamation poétique pour annoncer bien sûr l'ouverture de l'édicace. Merci bien. Ludovic a demandé passage mêlé. Mais maman, adressez-vous, elle veut prendre une photo avec vous rapidement. Ludovic a demandé passage mêlé. Ludovic. Cadeau de Mac 4604-1101, notre accès, le conducteur de la 44 cadeau de matricule 4604-1101 a demandé pour déplacer son véhicule. Merci pour cette annonce. Voyez, on fait la photo à toi. C'est tout le pays entier qui est venu ce jour célébrer Mme Simone Yves Bako pour son 72e anniversaire qui est marqué par 50 années de lutte politique. On l'avait dit tout à l'heure, elle a mené sa première grève à l'âge de 17 ans. Oui, et il faut le souligner tout net, au commencement du FPI était Madame Simone Bako. Simone Bako était avec le FPI et Simone Bako était avec le FPI. Plus d'images avec la délégation de l'ONU et de Kinshasa, tout le billet en élevé capable. Je voudrais saluer la présence de la secrétaire nationale Agnès Nyawa. Merci à aux délégations, aux fédérations de l'Agnès-Kinshasa qui... Merci. Merci à tout le monde. Merci à la fleur, à Kimbo Marie qui fait assez pour faire fleurir cette fédération-là. Merci, maman. Rapidement, la fédération de Fakobli doit remettre son cadeau. Cette fédération est dirigée par... la délégation est dirigée par le secrétaire national Pouéchan. Merci, merci à Fakobli. Merci bien. La délégation de Fakobli est donc attendue ici pour son présent. Place à présent à la délégation de Fakobli. Je vous dis que ce n'est pas du jeu ici. Et il est capable, c'est du réel. Et bon à voir. Oui. Je voudrais savoir si sur ta liste se trouve la délégation de Maféré qui a un don à faire. La délégation de Maféré. Oui. Yes. Maféré va s'apprêter pour son don. La délégation de Maféré. Avec le fédéral Ligui Boudoua. La fédération de Fakobli fait son don maintenant. Assez de cœur pour souhaiter joyeux anniversaire à maman Eve Simone Bako capable. Elle fête ses 72 ans aujourd'hui. C'est Fakobli. La délégation de Fakobli qui est dirigée par le secrétaire national Pouéchan. Merci à Fakobli. Vous voyez du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est tout le pays qui est aujourd'hui présent pour célébrer Maman Simone Yves Bako. Oui, le pays dans toute sa diversité. Ma Ferré est présent. Est-ce que ma Ferré est présent avant la coupe du carton? La Côte d'Ivoire célèbre une icône. Son nom c'est Yves Simone Bako Kappa. La Côte d'Ivoire est réunie pour ses 72 ans d'anniversaire. Merci. Membre du comité central dirige la fédération, sinon la délégation de l'Union. Ma Ferré avec son nom. Merci à Ma Ferré pour ce présent. Ma Ferré
Madame Tilly se prépare son cadeau. La suite, avec les bonnes avoir. La suite. Madame Tilly de Diokoué se prépare rapidement pour son cadeau. Diokoué, la présentation de Diokoué, avec son présent. Merci. Je vous ai déjà dit hier dans un direct. Madame Eve Simone Gbagbo, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Au déballage du présent, venu de Mafélé. Mafélé dans la délégation est conduite par le comité central. Je vous ai vice-président du mouvement. Pendant que la délégation de Mafélé débarque son présent, qui sera réceptionné par le ministre Henri Komilaza au nom de Madame Simone Eve Gbagbo, je voudrais saluer la présence de Madame Victorine Thierry-Bresson, présidente du mouvement Pas Travaillant pour Laurent Gbagbo. Ainsi que l'Akbar Maï Loboto. On va tout à l'heure rester pour célébrer à sa façon Madame Simone Eve Gbagbo. Merci. Je l'ai dit hier dans un direct, je pense que dans les jours à venir, elle va s'adresser à vous. Si à Mafélé pour son présent. Et Mafélé va être à côté de la première dame pour bien sûr la prise des images. Elle va la voir. Le sein. Elle va la voir la suite de. Merci. De on va prendre rapidement. Madame Thierry de Diokoué qui remet son cadeau. Elle va déballer rapidement. Monsieur le vice-président Jiyao se prépare pour son présent rapidement. Je rappelle ma sortie de prison des ministres d'une Côte d'Ivoire réconciliée sera dédicacée tout à l'heure. Prenez votre livre au prix de 5000 francs. Vous aurez l'occasion, l'honneur, le privilège d'avoir un mot de l'auteur, Madame Simone Eve Gbagbo, juste après. On va passer incessamment à la coupure du gâteau. Donc, la délégation là, on se presse un peu. Merci. On se presse un peu. Merci pour toute votre affection que vous portez à Madame. Madame Toby et Madame Ocaré, à vous demander. Les enfants de Simone Eve Gbagbo de Mafélé ont déjà donné un cadeau. Le mouvement gbagboïste de Côte d'Ivoire, le vice-président Yao Jules, toutes ces délégations seront rêvées également de SM Zone rêvées à son cadeau. Pendant qu'ils remettent leur cadeau, leur présent à Madame Simone Eve Gbagbo, je voudrais inviter. Le service pour le gâteau. Un gâteau, vous allez le voir, un très beau gâteau qui a été confectionné par Astrid de Cana. Elle a offert ce gâteau. Je voudrais qu'on apporte maintenant le gâteau pendant que les noms des personnes et des délégations ont décidé de remettre le cadeau. À maman Simone. Je voudrais qu'on ne perde pas de vue que cette. Vous savez, il y a Madame Astrid Canin qui offre le cadeau d'anniversaire. Elle est représentée par Dugaï Assi. Dugaï Assi, c'est un grand blogueur sur les réseaux sociaux qu'on connaît. Il se fait passer pour le directeur de cabinet sur les réseaux sociaux du président Laurent Gbagbo. Je voudrais qu'on le voit son très très fort. Merci bien, voilà. Merci bien pour cette intervention. Nous irons à la séquence réservée à la dédicace.
Bien sûr. Alors, l'épouse du général Courage, le général de Beaubré, l'épouse du général de Beaubré, vient pour son cadeau. Le général Courage va venir faire son cadeau tout à l'heure. Merci bien. Avant la coupure du gâteau, je demande à l'artiste Passapo de se préparer pour une seconde bonne prestation. Après 2008, qui a vu paraître sa première œuvre à grand honneur, cette année 2021 a vu également paraître sa deuxième œuvre à sortie de prison, prémisse d'une Côte d'Ivoire reconciliée. Oui, madame, madame de Beaubré, madame l'épouse de notre général Courage, qui vient faire son présent, qui vient pour son cadeau. Demander au service de sécurité et le protocole d'essayer de dégager un peu la démonture. Les gens qui sont assis ne parviennent pas à voir tout ce qui se passe. Nous demandons un peu de discipline aux hommes et aux femmes qui sont en train de dégager l'espace pour un peu plus de visibilité. Merci. Merci à. Oui, donc, l'épouse du général Courage, bien sûr, dans une très image inédite avec la première dame. Merci beaucoup madame pour votre soutien, pour votre loyauté et pour votre grandeur d'esprit. Merci bien madame. Merci. Et bon à moi. Est-ce que toute la délégation est inscrite sur un niveau? Pour passer la coupe du gâteau, la délégation vont se faire l'esprit au fur et à mesure. Merci bien, merci bien. Nous demandons à tous. S'il vous plaît, vous pouvez, pendant que la remise, va se faire au fur et à mesure, mais en dehors des camarades. Vous demandez les gens de vous faire un peu de temps pour gagner la place, pour gagner vos places, s'il vous plaît, pour gagner vos places, pour gagner vos places, pour faire de la visibilité à ceux qui sont assis, s'il vous plaît. Laissez juste les reporters, caméras et vidéos. S'il vous plaît, allez-y vous asseoir. Et bon à vous, et bon à vous. Nous allons laisser toute minute au ministre Nana Kofi qui va nous dire la coupure. S'il vous plaît, la coupure du gâteau va se faire ici. S'il vous plaît, allez-y vous asseoir. Dégagez ici, s'il vous plaît. Allez, regagnez vos places. Regagnez vos places. Regagnez vos places, s'il vous plaît. Regagnez vos places. Laissez seulement les reporters. Regagnez vos places. Regagnez vos places, s'il vous plaît. Regagnez vos places. Merci. Je rappelais. Ok, c'est
Je rappelle que le gâteau a été offert par de la Mastrine Cana. Allô, monsieur le ministre. Allô, un peu de silence. On écoute le ministre Kofi Kofi Naza. Je vais vous lire un extrait de mon premier livre qui est sorti seulement il y a... Silence, s'il vous plaît, cher. Je dis le livre Fraîcheur de résurrection. Soyez attentifs. Parce que s'il n'y a pas de silence, vous ne comprendrez pas le texte. Et vous allez voir ce que Dieu fait et l'inspiration que Dieu donne à ceux qui croient en lui. Je sais le poids de mes responsabilités. Je mesure l'immensité de mes obligations envers ma nation. Je sais, dans le tiraillement de l'histoire, le jugement du peuple sera sans appel. Mais j'attends mon heure, l'heure de mon envol. C'est le lieu pour moi de crier haut et fort, ici et maintenant, pour toute ma génération, sur tous les monts d'Afrique, sur les rivages des océans et sur les crêtes des particuliers. Que je ne serai ni la maison, je ne connaîtrai ni après le passage de la mission de l'olivier, espoir demi pas sa mère de Winnie. Je ne viserai jamais le sort de l'olivier. Après ça, je me fais au direct. Belle esbelte princesse Zourou, qui s'est laissée enivrer par la bravoure surhumaine de Chaka. Ce demi-dieu africain, il l'a humilié en sacrifice rituel et l'a immolé pour renforcer son Allô. Allô, oui, c'est revenu. Allô. 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 Est-ce que vous suivez? Je ne suis pas. Je ne livrerai jamais le sort de l'olivier. Ah, pauvre l'olivier, belle et sphère princesse Zulu, qui s'est laissée enivrer par la bravoure surhumaine de Chaka, ce demi-dieu africain. Il a immolé en sacrifice rituel pour renforcer son investibilité. Je ne suivrai jamais l'itinéraire de Winnie. Oh Winnie, la légende vivante, héroïne intellectuelle, impassionnée de la lutte contre le racisme. Elle a été honteusement séparée de Mandela, son célèbre époux, par les héros de l'apartheid. Idéologie anti-noire, de sinistre mémoire par des actrices honteux qui ont terni son image d'épouse fidèle. Je suis moi, je suis mon unique moi. Je suis, je l'ai déjà dit, Blaise-Soir de soi, la femme mâle, une première aguerrie du... Le gâteau vient d'aller. Merci bien, Herman, votre grâce. Merci au ministre Kofi Kofi Naza qui a lu un extrait de son recueil de poèmes. Fraîcheur de résurrection. Et justement, cet extrait, c'est le titre de Fraîcheur de résurrection. Madame Sanlévé Gwabo. Quand on va, je crois que c'est le moment, un des moments importants, la boucle du gâteau. Je rappelle que ce gâteau a été offert par M. Aristide Cana
qui est représenté ici par Dugarry Assi. La mise en place pour la coupure du gâteau est en train de s'effectuer avec beaucoup de délicatesse. Et nous voyons dans les sillages l'homme de la banderole qui est avec nous pour cet anniversaire. Voilà, c'est écrit 72 avec une diversité de fruits qui constitue l'écriture de 72, les 14 sanctuaires que notre maman aura l'honneur tout à l'heure de couper pour célébrer. Oui, elle arrive. Notre maman, on se lève. On va se lever ensemble. On va se lever ensemble pour assister, chanter simplement avec l'accompagnement de la fanfare. Si la fanfare est là. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, monsieur! Yeah.
célébrer avec Maman Simone ce 70e anniversaire marqué par 50 années de lutte. Nous demandons le 50. Nous demandons à tous de dégager l'espace, s'il vous plaît. Vous allez tout à l'heure, c'est à vous, parce que elle est livrée. Nous allons avoir l'honneur d'écouter le message de Maman Simone et Yves Gbagbo. La présentation de cette célébration. Eh bien, d'abord, oui. Mais juste avant le message de madame, oui. Il y a le groupe qui organise cet anniversaire, oui. Le groupe des enfants de Simone et Yves Gbagbo, qui va faire son don. Ok. Et tous les membres du comité d'organisation sont appelés. Donc, tous les membres du comité d'organisation de cette cérémonie de l'association Les Enfants de Simone et Yves Gbagbo, CAPA. Asseyez-vous s'il vous plaît, asseyez-vous. Présidé par Madame Antoinette Léo, vont remettre leur cadeau à présent. Oui. Prenez place, parce que après cela, vous allez avoir le privilège, comme moi, comme vous, c'est moi, d'écouter Madame Simone et Yves Gbagbo livrer son message, qui serait essentiellement la réaction après tous ces moments de célébration, ces mots forts à son endroit, ces actes forts à son endroit. Je rappelle que tout le monde, les Ivoiriens, les Africains sont venus des quatre points cardinaux pour célébrer ce moment. Nous allons assister à la remise du don du mouvement Les Enfants de Simone et Yves Gbagbo, dont la présidente est Madame Léo. Oui, Les Enfants de Simone et Yves Gbagbo. Simone et Yves Gbagbo, capable. Merci bien pour la rectification. Il s'agit bien entendu des enfants de Simone et Yves Gbagbo, capable. Voilà, qui vont procéder à la remise de leur cadeau à notre maman, Simone et Yves Gbagbo. Venez, voilà. Ce mouvement qui est dirigé par Madame Méo va maintenant venir pour la remise de son cadeau. Voilà. Qu'est-ce que c'est au carré? Qu'est-ce que c'est? Oui, mais je ne suis pas un véritable artiste en tant que tel, mais c'est un tableau très somptueux avec aux couleurs argent ou bien doré. C'est selon la vue, mais je crois que c'est de l'or. Non, c'est doré. C'est doré. Voilà. Un beau avec un fond noir, c'est prestigieux, c'est somptueux. Un cadeau magnifique. Ça a l'air de ressembler à des quoi poser le raconte. Ben, j'imagine. Oui, j'imagine. Un très joli tableau. Très très beau tableau. Offert par les enfants de Simone et Yves Gbagbo, capables, oui. À leur marraine, à leur mère, à leur modèle. Oui, mais bon à voir. Il faut aussi vous souligner que celui qui a confectionné ce tableau a fréquenté l'école de Picasso. Pendant ce temps, je voudrais insister et demander à toutes les personnes de regagner leur place. Parce que Madame Simone Yves Gbagbo va délivrer son message, va livrer son adresse. Nous s'il vous plaît. Que chacun de vous. Oui. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez regagner vos places. Assez. Veuillez regagner vos places, s'il vous plaît, pour permettre. Elle va prêter rapidement le chauffeur. Donc. Regagnez vos places. Je voudrais, s'il vous plaît, saluer la présence du ministre Togo Raphaël qui est là parmi nous. Son adresse. Silence s'il vous plaît. Silence s'il vous plaît.
vous savez que les moyens techniques, la sono, souvent on lâche. Donc si vous n'êtes pas attentif, on ne va pas cerner. Je voudrais insister sur le silence. Il doit être un silence. Oui. Faites silence, s'il vous plaît. Faites silence, s'il vous plaît. Je viens de souffler mes 72 bougies. Mes tout premiers mots. Silence, silence dans la salle, s'il vous plaît, pour écouter le discours de la première dame. Silence. Silence, s'il vous plaît. Mes tout premiers mots sont des mots de gratitude. Gratitude d'abord à l'endroit de Dieu qui m'a fait la grâce immense et en même temps imméritée de me permettre d'atteindre l'âge que nous célébrons aujourd'hui dans un état de grande santé et dans la paix du cœur et dans la paix de l'esprit. Remerciement également à une dame que nous regrettons de ne plus avoir avec nous, parmi nous, Madame Baïliba. De son esprit et de l'esprit d'un certain nombre d'autres femmes partout dans le monde, dans la diaspora européenne, dans la diaspora américaine, canadienne, dans le reste de l'Afrique et également en Côte d'Ivoire, de leur esprit a germé cette idée simple mais généreuse de célébrer la grande capacité de Simone et Yves Bago. Je voudrais vous dire merci. Et cette idée toute simple et toute généreuse que vous avez eue a grandi, s'est propagé et a pris la toile tout entière et a touché tous les continents dans le monde entier. Vraiment, soyez bénis. Je voudrais remercier particulièrement
la présidente du mouvement en face Simone et Yves Bago Kappa. Chère maman, chère soeur, chers enfants, membres de ce mouvement, Simone et Yves Capable, mesdames et messieurs, les membres du comité d'organisation, je voudrais de tout mon cœur vous remercier pour l'initiative que vous avez prise cette année de célébrer mon anniversaire ici à Yopougon. Cela est la preuve et la considération, est la preuve hein, de toute la considération et de toute l'estime que vous me portez. Chère maman, chère sœur, chère fille, à ce jour du 20 juin 2021, la joie est grande. Parce que par cette initiative-là, vous m'avez, d'une certaine manière, légitimé. Et en même temps, vous m'avez guéri de toutes mes blessures. Je vous ai guéri de toutes mes Je dis ma joie est double parce que, à côté de cette date d'anniversaire, le jour même de cette date d'anniversaire, Dieu nous demande de fêter tous les papas. Donc, vous tous qui êtes dans la salle et qui êtes des papas ou qui êtes des futurs papas, bonne fête à vous. Ne sont pas avec nous ici, bonne fête à tous les papas. Bonne fête au père, au papa, Laurent Gbagbo. Je dirai toujours à Dieu soit la gloire et la gloire. À Dieu soit la louange et la magnificence. Pas seulement aujourd'hui, non pas seulement hier, non pas seulement demain, mais au siècle des siècles et des siècles. Vous savez, célébrer l'anniversaire de naissance d'une personne, c'est lui témoigner de l'affection, c'est lui témoigner de l'amour, c'est l'honorer, c'est le choyer plus qu'à l'accoutumer. Et ce que vous venez de faire là, ce que vous avez fait aujourd'hui, non seulement par votre grande présence, votre immense présence, non seulement par votre joie, par votre affection, par votre enthousiasme, mais également par tous les dons que vous avez apportés,
ces mots de bonté que vous avez exprimés, prononcés à mon endroit, vraiment, tout ce que je peux faire en retour, c'est vous dire merci. C'est vous dire merci à tous, merci à toutes pour tous vos cadeaux. Que Dieu vous rende le bonheur de cette journée. Que Dieu vous le rende en grâce. Que Dieu vous le rende en bénédiction. Que Dieu vous le rende en réalisation concrète dans vos vies. Que Dieu en profite pour fortifier vous-même vos destins. Que Dieu vous ouvre toutes vos portes de bénédiction. Que Dieu ouvre sur vous les écluses des cieux. Pour les trésors qu'il tient dans les lieux célestes. Qu'il ouvre le portail du ciel et qu'il le déverse sur vous, sur vos vies, sur vos enfants, sur vos familles, sur vos parents. Croyez-moi, quand je vous dis que je me sens honoré, c'est la vérité. Je me sens très, très, très honoré. Figurez-vous que pendant que nous fêtions ici, nos amis d'Europe, de France, de Paris, fêtaient également là-bas, en Europe, à Paris, et dans une joie, dans une liesse qui est extraordinaire. Frère, je vous dis, hein, il y a Dieu du nom. Je voudrais leur dire merci également pour tout cet engagement, pour toute cette manifestation d'amitié, de solidarité. Vraiment, merci que Dieu vous donne. Je voudrais enfin remercier tous ceux et toutes celles qui, par leur présence physique, par leur apport intellectuel, matériel et financier, ont contribué au succès de ces deux jours de célébration. J'ai connu deux jours de célébration. Est-ce que vous allez voir? Deux jours de célébration. Moi, je suis là. Deux jours. Vous m'avez célébré comme si j'étais une reine. Au chef du village d'Azito et à sa potabilité pour leur disponibilité et pour leur hospitalité. Merci au ministre Guillaume-Emi. Je ne sais pas s'il est encore là. Il est là. Frère, ancien frère de toujours, merci. Tu es resté le même. Aussi brillant. Aussi beau parleur, prêt à témoigner de moi. Vraiment que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse ta chambre et tout. Que Dieu vous en prie. Merci au ministre Dombeno. Dombeno n'a pas pu arriver, il est venu lui-même physiquement. Il n'a pas pu arriver. Mais même s'il n'est pas venu, il nous a fait parvenir quand même son texte que hier après-midi nous avons dégusté. J'étais vraiment presque prête à me cacher sous une table pendant que je goûtais tout ce qu'il disait, tout son témoignage sur ma vie, sur mon militantisme, sur la vie dans le parti et puis. Il a beaucoup de mémoire, donc il m'a ramené à mémoire beaucoup, beaucoup d'événements que nous avons vécu, beaucoup de chemins que nous avons parcouru ensemble. Donc, il que Dieu te bénisse. Merci à tous ceux qui ont participé au débat. Alors, il y a eu le débat. Et aujourd'hui, il y a eu le quiz. Je voudrais relever un petit détail
qui ne connaissent pas vraiment, vraiment à l'histoire. C'est bon que ce soit bien corrigé. Je n'ai jamais dirigé un parti communiste en Côte d'Ivoire ici. Entre, par contre, quand j'ai commencé moi-même ma marche et mon initiation à la politique et mon militantisme, j'ai travaillé dans une organisation d'obédience communiste. Donc, c'est vrai, j'étais communiste, mais pas dans un parti. Voilà. À cette époque-là, on n'avait pas encore créé de parti. On avait juste une organisation communiste. Parce que nous étions dans la clandestinité. Si tu dis parti là, ah, à l'époque-là, on pouvait te trancher la tête. Hein. Donc on a dit organisation communiste. Voilà. Le parti que j'ai eu à diriger, c'est le Front Populaire. Merci à tous ceux qui ont fait des témoignages ici aujourd'hui. Félicitations à ceux qui se sont prêtés au jeu du quiz et particulièrement mes félicitations aux heureux caméras. Merci à tous les artistes. Merci à tous les groupes de danse qui ont animé la fête. Merci à toutes ces délégations qui sont venues de divers horizons du pays pour venir fêter aujourd'hui avec moi. Nous sommes venus de l'intérieur du pays en car pour venir fêter ici avec moi. Que Dieu les bénisse. Maintenant, le temps est arrivé d'apposer une signature sur les livres que vous avez bien voulu acheter et qui retrace un petit peu tous ces contacts que nous avons eus dès ma sortie de prison, tous ces échanges que nous avons effectués dès ma sortie de prison, pour que cela demeure, que ça se pérennise, que ça ne se perde pas, que ça ne soit pas emporté par les vents, mais qu'au contraire, ce soit fixé de l'intérieur. Et que l'on voit, que l'on lit, que l'on entende, que les Ivoiriens ont beaucoup souffert pendant la guerre. Et que les Ivoiriens ont beaucoup perdu pendant la guerre. Mais que les Ivoiriens sont conscients de ce que, pour que leur pays continue d'être ce pays de la grande fraternité, il faut qu'ils acceptent de faire le pas, de se mettre au-dessus de leur souffrance, de leur récrimination, de leurs amertumes pour aller au pardon et pour aller à la réconciliation. Le texte a été fixé, que Dieu lui-même bénisse ce texte, que ce texte continue de guérir le cœur des Ivoiriens et que nous marchions tous dans la joie, dans la paix retrouvée et dans la réconciliation. Merci beaucoup, bon retour chez vous et que Dieu vous bénisse. Je pense que c'est la fin, elle va dédicacer les livres maintenant. Je vous dis merci d'être resté connecté. C'était le jour de maman et j'ai tout notre bateau. Et c'est la fin. Moi je vais chercher à rentrer à la maison parce que je suis très patient. Bonne soirée à vous. C'était tout Caro et Bodhi. Au revoir. Thank you.
Au revoir.